Salut à tous. Alors, petit flash info, rc.com 83. Voilà pour ceux, je pense qu'ils vont être nombreux, qu'ils attendent leur Sherpa. Voilà un petit aperçu de quoi ça va ressembler. Alors, celui-ci n'est pas l'Apsima, c'est un Amewi, le AMX 10 PS, donc version pro. Blocage de différentiel, boîte de vitesse, tout pareil que l'Apsima, à savoir, comme vous le verrez sur la photo de présentation, Apsima Amewi ont fait un rebadge de Yikong qui sort les deux modèles en plusieurs déclinaisons. Donc vous l'avez en version simple, sans les blocages, il y a quand même la boîte de vitesse, avec un peu moins de métal. Donc une version de base, une version on va dire comme le TRX4 Sport. Vous avez cette version Pro. Bon, celle-ci c'est la version Toyota. En version Safari, couleur Safari. Avec sa petite cage arrière à monter. Donc on est vraiment sur un concurrent quasiment direct du TRX4. Voilà. Ici du Defender, hein, vu qu'on a les blocages à distance sur la manette. Manette 6 watts, DumbWRC, on peut bloquer l'avant, l'arrière, ou l'avant, ou l'arrière, ou les deux, indépendamment, comme on veut. Donc voilà, un joli petit modèle avec des bons plastiques, belle boîte de vitesse, des beaux éléments, des beaux amortos. Efficace, je ne sais pas. Ah, par contre, on a un petit retour en arrière, question. Bon, ça plaît pas, moi ça me dérange pas, le cerveau sur le point. Ce qui permet bon, d'avoir une bonne direction. Mais voilà, ils ont quand même prévu la garde au sol qu'il faut. Et dans l'air du temps, on a plus les cerveaux au-dessus. Histoire de ne pas le voir. Bon, on ne le verra pas ici. Hein. Par contre, on a cette petite particularité. Un amortisseur de direction. Voilà, qui doit remplacer sûrement le soft-cerveau. Hein, mais comme en vrai. C'est vraiment bien fait. Donc là, on voit bien les portiques. Le plastique a l'air assez convenable. Hein. Quand est-ce qu'on peut décapuchonner? Oui, je pense, comme le TRX4, mais pas de l'avant. Donc, mon portique, CVD, avant, arrière. Amortisseur à huile. Vraiment, il est tout équipé. Avec en prime un arrière qui est bloqué ici par des petites molettes. Mais qui peut être directeur. Donc on peut en faire un 4 roues directrices facilement. Après, ces petites barres, est-ce qu'elle est indispensable? Je ne sais pas. Le pont devrait tenir suffisamment. On dirait qu'ils nous ont mis une panarde. Je ne sais pourquoi. Donc voilà, on a bien le même pont à l'avant qu'à l'arrière. C'est vraiment bien pensé. En sachant bon dans leur modèle j'ai pas vu de 4 roues directrices mais ils ont les modèles à chenilles comme le TRX comme le Traxxas et après il y aura les modèles ils font les mêmes en 1 huitième on a l'air d'avoir une belle qualité de la transmission les cardans ont l'air pas mal. Bon, maintenant, il va falloir rouler avec, hein, voir ce que ça donne. Un beau cadre alu, peint noir, poli aux angles, biseauté. Donc voilà, hein, si vous voyez cette petite RC, ouais, c'est le grand frère du Sherpa. Vous aurez vraiment. Alors, à voir sur le pont arrière, j'ai un petit doute quand même, mais je pense que oui. Sinon, vous aurez le même genre de système, hein, le bac à batterie placé ici. Bon, disons, ça gêne un peu sur une configuration avant. Bon, on pourrait quand même mettre une petite batterie ici. On a déjà tout le poêle avant, le cerveau, le moteur qui est bien en avant, la grosse boîte au milieu, même une grosse batterie à l'arrière. Bon, ça équilibre un peu. C'est pas bien méchant, je pense qu'il devrait s'en sortir. Donc voilà, hein, une alternative aussi à l'Apsima, ça permet de ne pas avoir toujours des Jeeps.
Là, on a vraiment une belle carrosserie de Toyota. On a même le petit logo Land Cruiser sur le marquage. Bon, les rétros un peu durs. Donc voilà, pour ce AMEWI version pro, hein, disponible chez Mini-Plane. Ils ont la version basique aussi, sans les blocages. Et ils vont avoir le Sherpa aussi, comme toutes les boutiques. Hein, ces boutiques vont disposer très rapidement et je pense que vous les aurez rapidement. Et voilà la petite alternative. En espérant que ça soit un modèle qui dure dans le temps. Voilà, bah je pense essayer ça rapidement hein, quand il fera un peu moins chaud. En ce moment, les journées, c'est pas possible. Donc à la prochaine hein, pour ce unboxing et pour d'autres épisodes sur le crawler. Merci à tous.